Les heures supplémentaires et complémentaires désignent respectivement le travail effectué par un salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle et la durée prévue dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel. Alors que les heures supplémentaires peuvent être sujettes à un repos compensateur, les heures complémentaires, elles, sont payées sans possibilité de repos compensatoire. Les heures supplémentaires peuvent être structurelles, c'est-à-dire récurrentes, comme par exemple le cas des salariés effectuant 39 heures de travail par semaine. Les heures supplémentaires sont réalisées dans une limite appelée contingent annuel, qui est fixée par accord d'entreprise, de branche ou par la loi. Les cadres dirigeants, certains cadres intermédiaires et salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail sont exclus de ce contingent. Le nombre d'heures complémentaires ne peut excéder 10% de la durée de travail hebdomadaire ou mensuel, ou jusqu'à un tiers avec un accord. Le taux de majoration de ces heures varie entre 10 et 25%. Les heures supplémentaires, elles, sont majorées à 25% pour les 8 premières, puis à 50%. Il existe un repos compensateur équivalent pour les heures supplémentaires. Ces heures sont défiscalisées jusqu'à un plafond de 7 500 euros depuis 2022.